Nous ne nous sommes pas rendus à Bangkok, capitale du Siam et Venise du sud-est asiatique, pour y rencontrer le roi de Thaïlande, mais dans un petit village vaudois dominant le Lavo. C'est un matin d'hiver que nous gravissons la corniche qui relie Cuyi à Vevey. Partout, une dégringolade de vignes dont les échalas attendent que le printemps leur amène verdure et chaleur. Panorama que l'homme le plus vénéré du sud-est asiatique voit chaque matin à son réveil depuis sa propriété, depuis Douchèbre. Il est jeune, il a 33 ans, il est roi, mais aussi compositeur de talent et musicien habile, qui a joué dans les orchestres de Jacques Teagarden et de Benny Goodman. Il a été ordonné prêtre bouddhique et a fait vœu de pauvreté. Chaque année, pieds nus, il s'en va mendier dans les rues de sa capitale. Il est timide et modeste, mais dans son palais de Bangkok, il reçoit ses visites assis sur un trône en or, auquel on accède en gravissant 5 marches recouvertes d'un tapis rouge. Préoccupé par tout ce qui concerne les affaires de l'État, il se dévoue sans compter pour le bien de son peuple. Cependant, il n'oublie pas qu'il est père de 4 enfants, à qui il consacre ses meilleurs moments. Oui, telle est sa majesté, le roi Pumipol de Thaïlande, à qui nous allons rendre visite dans sa propriété depuis Douchèbre, le Flanzalais. J'aimerais pour commencer remercier très sincèrement leur majesté, le roi et la reine de Thaïlande, de nous accepter aujourd'hui dans leur propriété du Flanzalais. Vous voyez, l'ambiance est très familiale puisque leurs altesses royales sont avec nous, qu'elles ne sont pas impressionnées du tout par les caméras qui sont en train de tourner et qu'elles sont en train de chanter très gentiment un petit chant de leur pays, je l'imagine tout au moins. Je vais vous les laisser écouter. Ben, vous voyez, juste au moment où je vous dis écoutez-les, elles s'arrêtent de chanter un tout petit peu impressionnées, je pense. Mais est-ce que j'ose peut-être vous demander, Majesté, de nous les présenter l'une après l'autre, de nous dire leur nom et leur âge aussi? Celle-là a 3 ans et demi et elle s'appelle Julapon. C'est un peu un nom très difficile. Et celle-là a 5 ans et demi et elle s'appelle Sirinton. Et je crois qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus calme que l'autre. Celle-là? Celle-ci. Elle est très féminine. Oui, nous le voyons déjà. Elle a déjà des petits sourires très coquets et très féminins. Et quant à l'autre, elle? Plus vif, plus actif. Plus actif. Et bien, maintenant que nous avons fait connaissance, je crois que nous pouvons tous nous rendre compte que l'ambiance ici au Flanzalais est très familiale. Et d'ailleurs, Sire, je m'adresse à vous maintenant. Lorsqu'on parle du Flanzalais, on parle obligatoirement du lac Léman. C'est le lac Léman que nous dominons et que vous connaissez fort bien puisque vous avez fait une partie de vos études à Lausanne. Lausanne dont vous gardez un grand souvenir, je crois. Nous étions ici assez longtemps, puisque j'étais à l'école ici, à Lausanne. Et on connaît bien le lac Léman ici. Mais est-ce que la Suisse et Lausanne, c'est le lac Léman ou c'est encore autre chose? Je crois que lorsque vous êtes dans un pays, vous revenez d'ailleurs d'un grand voyage maintenant qui vous a entraîné dans 14 pays, vous étudiez très attentivement les institutions du pays en question pour peut-être par la suite les mettre en pratique dans votre pays. Le but de nos voyages officiels n'est pas pour l'enseignement ou bien pour trouver quelque chose, mais c'est surtout pour apporter les salutations et pour dire en anglais le goodwill du peuple de son pays au peuple qu'on visite. Et c'est une action de contact personnel. Contact qui veut dire amitié, bien sûr. Oui, amitié entre notre pays et les pays en question. Là, ce que je disais tout à l'heure, si on étudiait les institutions des pays étrangers, c'était d'ailleurs peut-être une erreur, car je crois savoir qu'en Thaïlande, que dans votre pays, on n'adopte jamais au fond ce qui vient de l'extérieur. On adapte tout au plus. On est ouvert à toutes les... tout ce qui est bien pour le pays, mais on doit, comme vous dites, adapter aux conditions locales et puis à nos institutions, à notre tradition. Bien sûr. Si vous le permettez, j'aimerais que nous nous évadions pendant quelques instants du Flanzalais, que nous nous évadions de Suisse, pour nous rendre à Bangkok, pour nous rendre dans votre palais. C'est peut-être très indiscret de vous poser cette question, mais enfin, comment commence la journée d'un roi? Mais je me lève. pour dire une journée qui est typique
C'est difficile de vous la décrire parce que chaque journée est différente. J'ai un principe de ne pas tomber dans la routine et c'est toujours un peu différent tous les jours. J'imagine tout de même que pour vous, votre métier de roi vous demande d'assister très régulièrement à ce que nous appelons ici le Conseil des ministres. Or, Conseil des ministres, c'est vous préoccuper principalement, je le sais, du sort de votre peuple. Non, le Conseil des ministres se réunit sous le Premier ministre. Je n'y assiste pas. Mais si je veux rencontrer certains ministres, il faut m'inviter à venir, ou bien plusieurs ministres en même temps, pour certaines questions. Quelles sont vos grandes préoccupations concernant, par exemple, la santé publique en Thaïlande? Car je crois savoir que, justement, la santé publique, c'est un des problèmes que vous vous efforcez de résoudre le mieux possible. La santé publique est un problème mondial. Et parce que tous les gouvernements qui sont bons doivent s'occuper du bien-être du peuple, du pays. Et nous avons toujours fait, depuis bien des années, une campagne pour la santé publique, pour que le peuple puisse comprendre comment vivre. Oui, vous parlez du peuple qui est heureux. Et il est une chose remarquable, d'ailleurs, lorsqu'on parle de Thaïlande, c'est que lorsqu'on traduit ce mot de Thaïlande, on sait que cela veut dire terre libre, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de Bangkok, on parle de cité des anges, ce qui montre vraiment que votre pays est un pays heureux. Je crois probablement le plus heureux du sud-est asiatique. Comment l'expliquez-vous alors que vous êtes entouré, au fond, par des pays en agitation politique perpétuelle? C'est parce que nous gardons nos traditions, nous essayons de les consolider même, pour que le peuple puisse avoir quelque chose à quoi s'en tenir. Et nous avons aussi la religion qui est très ancrée dans le peuple. Oui, je crois savoir que la religion est une chose primordiale en Thaïlande. Et lorsque vous en parlez toujours avec une grande foi. Parce que je crois que c'est véritablement l'important, n'est-ce pas, dans votre pays. C'est très important parce que nous devons avoir un refuge pour pouvoir vivre, n'est-ce pas? Avoir un idéal et un moyen de vivre, une manière de vivre. Les grandes cérémonies religieuses, il y en a une chaque mois en tous les cas. Cela dépend de la saison. Et d'ailleurs, nos cérémonies religieuses, proprement dites, ne sont pas très luxueuses parce que la religion bouddhique n'a pas tellement de rites. Lorsque on parle de Thaïlande, on parle maintenant tout au moins d'industrialisation, n'est-ce pas? Quels sont les projets que vous avez concernant l'industrialisation de votre pays? Si je vous pose toutes ces questions maintenant, c'est que nous évoquions tout à l'heure ce Conseil des ministres auquel vous n'assistez pas d'ailleurs, mais que nous évoquions au fond les problèmes sérieux qui sont les vôtres. Après, tout à l'heure, si vous le permettez, nous verrons l'autre côté de votre existence. Notre pays, jusqu'à un certain temps, est un pays surtout agricole. Et maintenant, il est encore agricole. Mais avec l'avancement de la vie, donc du coût de la vie, ça augmente, et puis que les gens veulent un peu plus de luxe, alors il faut beaucoup plus de revenus. Et l'agriculture ne peut pas apporter tant de bénéfices si rapidement. L'industrie est la seule solution. C'est pour ça que nous devons nous diriger vers l'industrie qui est très faisable chez nous. Mais lorsque vous parlez d'industrie, vous faites allusion à quoi? À la soie ou y a-t-il d'autres choses encore? Il y a déjà la soie depuis assez longtemps, mais plutôt du coton artisanal. Mais d'autres industries, plutôt de l'industrie légère d'abord. Nous avons parlé de problèmes sérieux aussi. J'aimerais maintenant que vous nous montriez qu'un roi est aussi un homme et qu'il y a certains moments dans son existence
où il veut se délasser, il veut avoir des loisirs. Mmh. Quels sont vos loisirs? Il y a les sports, la musique. Les sports, quel sport pratiquez-vous? À Bangkok, je pratique le badminton, la nage, aussi quelquefois le ski nautique dans la mer. On peut pratiquer le ski nautique à Bangkok, bien sûr. C'est très en vogue et chez nous. Je crois que les gens aiment beaucoup ça parce que c'est pratique. Et en dehors du ski nautique, y a-t-il d'autres sports que l'on pratique? Ici, je ne fais plus allusion même au sport que vous pratiquez, mais que le peuple thaïlandais aime à pratiquer. Y a-t-il un sport national là-bas? Il y a plusieurs sports. Le sport, le cerf-volant, vous allez peut-être sourire, mais le cerf-volant est un sport. Comment est-ce que ça se passe? Il y a deux camps avec deux sortes de cerf-volant et ils font la bataille pour descendre l'autre. Alors c'est celui qui monte le plus haut qui a gagné? Non, c'est pas celui qui monte le plus haut, c'est celui qui amène celui l'autre. Celui qui a descendu. Et qui descend l'autre dans le territoire. Profitons, si vous le voulez bien, sire, de regarder ces cerfs-volants thaïlandais pour laisser s'esquiver les princesses royales qui sont probablement fatiguées par cette conversation de grandes personnes. Et puisqu'en parlant cerfs-volants, nous évoquons le sport, veuillez peut-être nous dire si dans votre pays il en existe d'autres du même genre qui soient aussi des sports nationaux. Il y a bien un autre sport qui ressemble un peu à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, ça peut devenir un volleyball ou bien juste un jeu d'adresse. C'est le takraw. On joue avec une balle de rotin de cette grandeur environ. Mmh. Et on emploie tout excepté les mains pour l'envoyer à l'autre. N'est-ce pas? Ça se joue à plusieurs personnes. Alors avec le pied, avec la tête, interdit de mettre la main. Interdit de l'attraper avec la main. Donc, on peut jouer comme un volleyball ou bien un petit peu comme le tennis, avec plusieurs personnes d'un côté et de l'autre, et on se l'envoie par-dessus le filet. Y a-t-il des compétitions interclubs qui sont organisées? On commence, oui, maintenant. D'après ce que vous êtes en train de nous dire, le Thaïlandais est très souriant et aime beaucoup s'amuser. Ils aiment s'amuser parce que c'est bien de s'amuser et de faire des sports, mais ils travaillent aussi. Oui, je le sais. Si nous parlions de vos distractions et nous avons été amenés à parler du sport d'une façon plus générale, mais j'aimerais malgré tout que nous en revenions à vos distractions. Vous parliez de musique tout à l'heure. Or, nous savons que pour vous, la musique, ça n'est pas seulement en jouer, mais que c'est aussi en composer. Depuis quand est-ce que vous vous êtes intéressé à cet art? De composer ou de... Oh ben je pense de jouer pour commencer. De jouer, j'ai commencé quand j'avais à peu près 15 ans à jouer. Et de quel instrument jouiez-vous à 15 ans? J'ai commencé à apprendre le saxophone. Et après, j'ai essayé un peu tous les autres instruments par curiosité. Et vous en êtes venu tout doucement à la composition? La composition parce qu'il y a un ami, un cousin, qui composait, lui. Il ne savait pas une note de musique, mais il composait des chansons. Alors il m'a demandé pourquoi est-ce que vous ne composez pas aussi. Alors j'ai essayé et c'est assez intéressant. Quelle est-il la première mélodie que vous composiez? Car il y en a eu beaucoup, je sais, mais la toute première, vous vous en souvenez? La première mélodie n'est jamais sortie parce que c'était quelque chose qui n'allait pas. Mais les autres, elles, sont sorties, c'est-à-dire ont été diffusées dans le monde entier. Et ensuite, la deuxième mélodie que j'ai composée, j'ai donné à ce cousin à faire les paroles. Et puis, c'est sorti un bal de charité à Bangkok. Et comment s'appelait cette mélodie? En anglais, c'est Love at Sundown. Je crois que lorsque vous prononcez ce titre, immédiatement des sourires se dessinent chez les personnes qui sont en train de vous regarder, parce que ce sont des titres qui sont devenus des titres connus. Je pense entre autres à Wen, dont vous êtes le compositeur, je crois, à Alexandra, et à d'autres. Et il y en a beaucoup comme ça. Vous composez souvent dans la journée ou dans le mois? Y a-t-il des moments qui sont réservés à la composition? Non, ce n'est pas... C'est l'inspiration qui vous guide. Ce n'est pas à des moments fixés. Et comme je vous l'ai dit,
la journée, ma journée n'est jamais fixée presque. Parce que, surtout, le travail de roi, c'est un petit peu 24 jours par jour, parce que n'importe quand on est roi. Vous parlez du travail d'un roi, sire. Est-ce que c'est un travail qu'on exécute quelquefois avec difficulté parce qu'on se sent seul? Parce que, bien sûr, lorsqu'on parle de travail, lorsqu'on parle de métier, il y a peu de rois sur terre et il y a peut-être un petit sentiment de solitude quelquefois qui vous étreint, non? Enfin, c'est un métier, oui, comme vous dites. D'être roi, ça peut être un métier qui est un peu spécial. Parce que il n'y a pas de traité sur la manière d'être un roi pour étudier. Mais en résumé, c'est un métier dont il faut se spécialiser aussi. Mais il faut savoir un peu de tout pour pouvoir comprendre tous les problèmes qui peuvent arriver dans tous les domaines. Autrement dit, vous parliez de spécialisation. Je pense que cette spécialisation commence très tôt, très jeune. Et tout à l'heure, vous nous présentiez vos enfants, deux d'entre eux, car je crois savoir que vous avez quatre enfants. Leur éducation doit représenter malgré tout un problème pour les préparer à leur future tâche. Pour mes enfants, nous avons considéré le problème. C'est un grand problème parce qu'ils doivent en même temps être des enfants ordinaires, c'est-à-dire qu'ils soient heureux, qu'ils soient souriants et qu'ils s'amusent, et qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent leurs leçons. Et à part ça, il y a encore leur position de prince. Et même dans des pays les plus démocratiques comme la Suisse, le mot de prince ou de roi a un charme assez particulier, assez spécial. On ne les considère pas comme des êtres humains ordinaires. C'est ça qui est difficile. Parce que les petits, ils sont des enfants, des humains, mais on les considère comme des princes, comme dans les contes de fées, par exemple. Je sais que tous les enfants du monde raffolent des contes de fées. Et c'est quelque chose de spécial. On dit que on est riche, on est heureux comme un roi, comme des princes. C'est pas tout à fait vrai. Nous avons pu en effet remarquer que vous vous appliquiez, sire, à faire des enfants royaux, des enfants comme les autres. Ainsi, ils aiment les jeux, qui sont les jeux de tous les enfants du monde, témoin ce bonhomme de neige, débonnaire et glacé. Quant à l'école, elle est pour leurs altesses royales, comme pour les autres petits garçons et petites filles de leur âge, faite de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture sur laquelle on s'applique, des règles grammaticales qu'il faut apprendre. Leurs altesses, je ne les présenterai pas, leur nom est un peu difficile à prononcer pour un Européen, ont l'air d'ailleurs, si on en juge d'après ces images, d'être des élèves très consciencieux. Des élèves consciencieux dirigés par une institutrice dévouée et souriante. Pour nos écoliers suisses, il y aurait peut-être quelques difficultés à parcourir cet abécédaire. Mais la petite princesse Erindorn, malgré la présence de notre caméraman, a l'air d'être tout à fait à l'aise au milieu de ses caractères compliqués. Sire, nous voyons maintenant le prince héritier. Il a des réactions d'enfant de son âge. Mais pensez-vous qu'il soit déjà conscient de ses futures responsabilités, celles qui font de lui un roi? Les responsabilités, ça veut dire que on sache ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Les gens ordinaires peuvent avoir la loi, ils doivent craindre la loi. C'est-à-dire, s'ils font quelque chose contre la loi, il y a la police et il y a le tribunal et tout. Tandis qu'avec un roi, on est au-dessus, disons, du tribunal. C'est ce que je dis toujours à mon fils, qu'un roi doit savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de lui-même. C'est peut-être, sire, ce que tous les pères du monde devraient apprendre à leurs enfants. Et c'est sur cette dernière impression que nous aimerions vous laisser, en vous remerciant d'une part pour votre accueil si spontané, et en vous souhaitant d'autre part un bon voyage de retour en votre pays, puisque c'est demain que vous vous envolez pour la Thaïlande. Puissiez-vous lui garder encore longtemps son nom de terre libre,
et de Cité des Anges.